Alors, donc, la formule, c'est je doute, donc, je pense. Je doute, donc, je pense. Lorsque je doute, on va traduire en latin, ça donne dubito ergo cogito. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce serait cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Je doute, je suis. Alors, je doute, donc je suis. Et si je suis une pensée, donc j'existe. C'est-à-dire, j'existe au moins en tant que pensée. Donc, je suis un être. C'est là le point de départ de mon existence, en réalité. Je prends conscience de mon existence nécessairement après avoir poursuivi le processus du doute. En fait, c'est le doute qui m'amène à une première certitude qui est celle du cogito, à savoir que je suis un être pensant ou encore une chose qui pense, c'est-à-dire res cogitare. Une chose pensante ou un être pensant. C'est-à-dire, au moins, j'ai la certitude que je suis au moins une pensée. Ça, au moins, c'est vrai, c'est incontestable. Aucune pensée ne peut remettre cela en cause. Alors, donc, je sais que moi, en tant qu'être, en tant qu'existence, commence à partir de la pensée. D'où l'attachement de Descartes à la philosophie, au point qu'il dit « Celui qui n'a Il vaut mieux ne pas vivre complètement les yeux, c'est vivre les yeux complètement fermés, que de vivre sans philosopher. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas vivre que de vivre sans philosopher. Si on ne philosophe pas, c'est comme si on a les yeux complètement fermés et qu'on ne cherche même pas à les ouvrir. C'est parce que la pensée est tellement importante, la pensée est tellement, entre guillemets, humanisante, que si l'on ne pense pas, c'est comme si on n'était pas du lot des humains. Et encore moins, on n'était même pas un être. Parce que c'est à partir de la pensée que le statut d'être se révèle chez l'homme. L'homme est homme parce qu'il pense, c'est-à-dire le cogito. Maintenant, je sais aussi que le processus du cogito que j'ai poursuivi jusque-là pour arriver à cette certitude, mais j'ai dit le cogito est la première certitude. Première certitude. Incontestable. Je pense. Cogito veut dire je pense. Ce je pense-là, je sais que c'est le cheminement que j'ai effectué. Doute que j'ai fait de façon méthodique, de façon hyperbolique, de façon provisoire, ce doute ne m'aurait pas permis d'atteindre mon objectif, qui est celui du cogito, si jamais mon esprit n'avait pas été encadré. C'est-à-dire si jamais quelqu'un n'avait pas veillé sur mon esprit, parce que tout au long du processus du doute, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui veut me dérouter. C'est ce qu'il appelle le malin génie, peut-être le démon, qui veut me dérouter, qui veut m'empêcher. C'est ça, toute opération de recherche de la vérité. On a l'impression que quelque chose d'autre que nous-mêmes essaie de nous dévier de notre chemin, de la bonne voie. Et donc, c'est autre force, autre pouvoir extérieur à moi qui veille sur mon esprit et qui m'oriente. Alors, c'est ce que Descartes appelle Dieu ou garant du cogito. Garant du cogito. Dieu est le garant du cogito. Sans l'aide de Dieu, sans l'assistance de Dieu, le malin génie allait avoir raison
de ma conscience, allait avoir raison de ma pensée, allait me dérouter. Mon esprit allait perdre pied et n'allait pas atteindre la certitude. Donc Dieu, garant de cogito, m'amène par voie de conséquence à dire alors le premier être, le tout premier être, en tout cas au moins celui auquel mon esprit puisse accéder, c'est Dieu. Donc, être premier. Être premier. Dieu est l'être premier. Puisque il y a comme c'est ce qu'on appelle chez lui la théorie du, je veux dire, des deux substances, le dualisme cartésien, c'est que je suis à la fois corps mais esprit. Ce qui est sûr, le corps, comme je l'ai dit tantôt, ne peut pas accéder aux vérités totalement spirituelles qui concernent l'infinité divine. Donc, nécessairement, il faut que l'autre dimension, qui est la dimension pensée, intervienne pour me permettre d'atteindre les vérités les plus subtiles, les vérités les plus, on va dire, précieuses, qui, en réalité, révèlent l'être. Alors, donc pour Descartes, si le doute m'a amené à avoir la certitude que je suis pensée et que ma pensée ne peut pas exister sans l'appui de Dieu, alors je comprends que l'être véritable, c'est Dieu. Et d'ailleurs, Descartes s'évertuera par la suite à démontrer l'existence de Dieu. C'est là que il donne trois preuve de l'existence de Dieu, qui est comme ce Dieu qui est comme le trait d'union qui assure la jonction entre le res cogitarest extensia, c'est-à-dire le corps et l'esprit. C'est Dieu qui est comme le trait d'union et comme le point de jonction entre ces deux. Mais en même temps, le rôle le plus important qu'il donne, c'est que sans Dieu, je ne peux atteindre aucune certitude. Donc Dieu est le garant du cogito. Les trois preuves qu'il donne de l'existence de Dieu, la première preuve est tirée, et il faut préciser tout de suite que toutes ces preuves-là s'appuient sur les forces de la raison. Comme je l'ai dit, un rationaliste parfait, convaincu. Les trois preuves ne sont pas tirées de la révélation ni de la foi. Les preuves sont tirées de la raison. La première preuve s'appelle la preuve suffisante de l'idée du parfait. Cette preuve de l'idée suffisante du parfait consiste à dire que les choses, on a tous l'idée du parfait et d'infini. Cette idée que j'ai de la perfection, c'est une idée qui est mise à moi par Dieu. Puisque je ne suis pas parfait, pourtant j'ai l'idée du parfait. Cela suppose que quelqu'un d'autre que moi a mis en moi cette idée, pour au moins que je sache que je ne me suis pas fait moi-même. C'est à peu près ce que représentent les marques sur les différents trucs que les gens inventent. Donc, par exemple, un Japonais invente une voiture, il prendra soin de mettre « Made in Japan », c'est-à-dire « produit fabriqué au Japon », donc marque japonaise. Exactement, l'idée du parfait, l'idée suffisante du parfait que nous avons en nous, n'est pas notre œuvre. Ça nous a été incorporé par le Créateur, par Dieu, pour nous prouver qu'il existe. La deuxième preuve est la contingence
de l'homme en qui réside l'idée du parfait. L'homme qui a l'idée du parfait sait d'abord qu'il n'est pas parfait. Ça, on a l'idée du parfait, mais on sait qu'on n'est pas parfait. Ça, ça prouve déjà que nous n'avons pas mis en nous cette idée du parfait. Nous ne sommes pas l'auteur de cette idée du parfait qui, pourtant, se trouve en nous en tant qu'idée et c'est clair dans notre tête. Chacun a l'idée de la voiture parfaite, de la femme parfaite, de l'homme parfait, du pays parfait, de la fleur parfaite. Chacun a l'idée de tout ça. Mais on ne peut jamais se donner la maison parfaite. Voilà qu'on ne peut jamais trouver l'homme parfait. On ne peut jamais trouver la voiture parfaite. Pourtant, même les fabricants de voitures ont l'idée de la voiture parfaite, mais on ne peut jamais la produire. Parce qu'en réalité, cette idée du parfait n'est pas, disons, à notre disposition. Elle a été placée en nous par autre chose. C'est pourquoi nous n'avons pas de pouvoir, nous ne pouvons pas l'appliquer. Maintenant, la contingence, justement, fait que nous devons comprendre, nous, en tant qu'hommes, que malgré que nous ayons l'idée du parfait, on ne peut pas se donner la perfection, malgré qu'on ait l'idée du parfait. Et puis, nous ne sommes pas infinis, nous sommes finis. Donc, nous savons que notre existence n'est pas une nécessité. Parce que la contingence, c'est le contraire de la nécessité. Un être contingent, c'est un être qui n'est pas nécessaire. Par exemple, j'aurais pu ne pas être. Ce jour aurait pu ne pas être. Et le Mali aurait pu ne pas être. Puisqu'il y a eu un temps où le Mali n'était pas. Il y a eu un temps où la Terre n'était pas. Donc ça montre que l'existence de chacune des choses dans le monde, chaque chose particulière dans le monde, aurait pu ne pas exister. Parce qu'il y a eu un temps où elle n'existait pas. Donc cela amène à comprendre que il a donc fallu nécessairement quelque chose, donc nécessaire par elle-même et qui a engendré les êtres non nécessaires. C'est cela la logique. Donc, cet être qui est nécessaire par lui-même et qui, à son tour, a engendré les êtres non nécessaires et que leur contingence est établie, c'est un fait, c'est flagrant. Donc, cet être-là est l'être véritable, c'est Dieu. La logique, la raison même nous montre que Dieu est nécessaire par lui-même, parce que si quelque chose n'était pas nécessaire par lui-même, il n'y aura rien. Pour qu'il y ait quelque chose, il fallait que quelque chose nécessaire par elle-même soit d'abord installé, et que à partir de cet être nécessaire par lui-même, les autres non nécessaires, les autres êtres non nécessaires, donc contingents, parmi lesquels l'homme, le mouton, le chat et tout le reste, proviennent de l'être nécessaire. Donc, pour Descartes, l'idée de création est une réalité. Les autres êtres du monde ont été créés par Dieu. Et donc, l'être de base, l'être premier, l'être véritable reste Dieu. La dernière preuve, la troisième et la dernière, est appelée preuve ontologique, c'est-à-dire ce qui fait qu'une chose est en tant que telle. Et qu'est-ce que Descartes veut dire? Que Dieu est déjà Dieu en tant que tel. C'est-à-dire l'esprit humain pense Dieu. Ça, c'est une réalité. Personne n'a jamais fait l'expérience de Dieu, mais tous les esprits peuvent penser Dieu. Cela est la preuve suffisante que si l'on peut penser Dieu, il suffit de pouvoir penser Dieu pour savoir qu'il existe. Car son idée même enveloppe son existence. On ne peut pas penser, si Dieu n'existait pas, on n'aurait pas pu le penser. Le simple fait de pouvoir penser Dieu signifie effectivement que Dieu existe. Donc il existe de façon autonome, de façon, j'allais dire, spontanée en l'homme. Et l'homme, l'existence de l'homme même est la preuve de l'existence de Dieu. Parce qu'il ne peut pas ne pas le penser. Et dès lors que l'homme peut penser Dieu,
Cela implique nécessairement l'existence de Dieu. Donc Dieu, en tant que réalité première, est cause des phénomènes qui existent et est le garant des vérités scientifiques. Sans Dieu, pour Descartes, aucune vérité ne peut trouver une assise solide, ne peut être considérée comme une certitude. Alors donc, on va dire que le cartésianisme considère que l'être se résume à Dieu, qui par condescendance a créé les autres êtres et leur prévoit également le devenir qui ne peut être autre chose que le destin, ensuite les lois de la nature qui sont imposées, édictées et contrôlées par le même Dieu. Donc voilà en substance ce que nous pouvons dire sur le cartésianisme ou le point de vue cartésien sur l'être et le devenir.